Bonsoir. Depuis la rentrée, le samedi sur France 2, vous découvrez les stars comme vous ne les avez jamais vues. Grâce à cette oreillette, impossible pour elle d'utiliser la langue de bois. Bienvenue dans Panique dans l'oreillette. L'invité de ce soir est un monstre de la chanson française. 30 ans de succès, plus de 30 millions de disques. Nous avons tous en tête, amoureux des mots et des femmes. Ce séducteur fougueux est une bête de scène. Au parcours hors norme, chanteur, parolier, mais aussi comédien, il a réussi à réaliser tous ses rêves de gosse. Il s'agit de Serge Lama. Dans un instant, Serge va s'installer dans ce fauteuil pour répondre à mes questions. Mais je ne serai pas seul face à lui, puisque certains de ses proches seront ce soir mes complices. Ils seront cachés là-haut, dans cette bulle, et pourront me souffler leurs questions, tout simplement pour m'aider à le déstabiliser et nous aider à mieux le connaître. Vous entendrez tout, vous verrez tout, mais pas lui. À ce moment de l'émission, Serge Lama est dans sa loge, en train de se concentrer, visiblement. Il sait qu'on le filme, mais il ne sait pas qu'on parle de lui. Serge Lama, vous m'entendez? Il est coupé du monde, il est coupé du plateau, il n'a pas le son, il n'a pas l'image. Je vous présente tout de suite mes deux premiers complices. Ils forment un couple très proche de Serge. Il l'adore et il leur rend bien. Merci d'accueillir le fils de Serge Lama, Frédéric, et sa fiancée Marie. Marie a chanté en duo avec Serge dans son dernier album. Quant à Frédéric, eh bien Serge ne fait rien sans lui demander son avis. Ils connaissent bien ses petits travers. Bonsoir, ça va bien? Il a l'air tendu. Ah, je le connais un peu, il est un peu tendu. Et puis j'ai toujours rêvé de régler mes comptes en direct, donc voilà. Bon, mon troisième complice a composé la moitié des chansons et des succès de Serge Lama. Ils sont amis depuis très longtemps maintenant. Serge dit qu'elle est une des trois femmes qui ont le plus compté dans sa vie. Merci d'accueillir Alice Donat. Je suis malade, cet immense tube est une de leurs premières chansons. Alice a composé la musique et Serge a écrit les paroles en 2 heures. Bonsoir Alice. Bonsoir. Le public sait que vous connaissez bien Serge et vous connaissez le vrai. J'espère que vous allez me raconter. Oui, parce que ça vous paraît évident, c'est votre vie. Mais je peux vous dire qu'il y a des choses très très étonnantes que j'ai découvertes et que le public va découvrir. Très bien. On va voir ça ensemble. Mon quatrième complice a connu Serge Lama quand il n'était qu'un petit garçon. Lui aussi est une grande vedette de la chanson et il a pour Serge des sentiments paternels. Je vous demande d'accueillir Marcel Lamour. Marcel était un ami très proche du père de Serge Lama. Il allait souvent chez eux et se souvient très bien de ce petit garçon qui déjà adorait écrire et réciter des poèmes. Bonsoir Marcel. Ça va bien? Mais on ne peut mieux. Bon, en tout cas, vous avez été le témoin de moments très 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 importants de la vie de Serge. C'est vrai. Et des moments qui vous ont marqué vous-même dans votre propre existence. Oui. On n'en dit pas plus. On en parlera tout à l'heure. On va en tout cas avoir votre version ce soir et la sienne. Oui. Enfin, oui. Mon dernier complice est lui aussi un proche parmi les proches de Serge Lama. Ils avaient tous les deux 22 ans quand ils se sont rencontrés. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Merci d'applaudir Yves Gilbert. Il a composé également des succès de Serge Lama. Il confirme que Serge est un séducteur dans l'âme. Il a même analysé son savoir-faire avec les femmes. Et il est prêt à en dévoiler quelques-uns de ses secrets. Bonsoir. Bon, il est mort de trac. Il a l'air un peu contracté, là, oui, effectivement. Vous confirmez, vous qui le connaissez. D'ailleurs, il ne nous écoute pas quand on parle. Merci à vous. On vous laisse rejoindre la bulle. Merci beaucoup. Je vous laisse vous installer dans la bulle. À partir de maintenant, J'ai décidé que vous n'auriez plus de nom pour ne pas faire de gaffe. Vous avez des numéros, complice numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Serge est en train de quitter sa loge, donc je voudrais que mes complices disparaissent. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Frédéric, oui Frédéric, je veux la voir et je l'aurai. Frédéric, Frédéric. Oriette, c'est Michel Leclerc qui m'a dit de faire cette émission. Bah s'il a tort, je le saurai à la fin de l'émission. Serge Lama m'entend maintenant. Mais vous savez qu'il est en coulisses. Il est en coulisses. J'aurais tout fait dans ma vie, tout fait.
Je sais qu'il fait semblant d'être décontracté. Oui, je fais semblant d'être décontracté. Il répond. Je fais complètement semblant. Je sais qu'il a le trac. Il va nous dire pourquoi. Mais oui, je voudrais déjà. Parce que ça fait des années que je ne fais pas des émissions comme ça. Attendez, mes enfants, je vais apparaître. Mesdames, messieurs. Ah non, pas mesdames, messieurs, je vous demande de faire un triomphe à Serge Lama. Je vous laisse vous installer. Mesdames, messieurs, Serge Lama. Installez-vous et détendez-vous. Vous avez donné le sentiment que vous étiez extrêmement décontracté. Vous arrivez en souriant, en chantant. Je ne suis absolument pas décontracté, mais c'est la meilleure façon de faire passer... Le trac, c'est de faire ce genre de choses, parce que quand même, je chante beaucoup. Alors je sais à peu près ce qu'il faut faire quand on a un petit peu... Il faut faire semblant de ne pas l'avoir, quoi. D'accord. Et ça marche? Là, ce genre d'émission, il y a longtemps, je ne l'ai pas fait. Alors expliquez-moi, de quoi vous avez peur? Bah, j'ai vu l'émission, quoi. C'est angoissant. En plus, moi, je n'ai pas une mémoire extraordinaire, pour vous dire la vérité. Je me souviens pas de beaucoup de choses et j'ai peur tout d'un coup de vexer quelqu'un aussi parce que je vais pas me souvenir d'une chose qui tient particulièrement à cœur à cette personne peut-être. D'accord. Et que moi qui m'est complètement sorti de la mémoire, quoi. C'est D'accord. ça qui me fait peur. Puis je sais pas, quoi. J'ai peur de vous, on se connaît pas. Non, parce que les gens qui nous regardent peuvent se demander pourquoi vous êtes là. Ben, je suis là parce que Drucker m'a demandé de venir. Alors je remercie Michel Drucker parce que les gens se disent: est-ce que Michel Drucker est vraiment gentil? Oui, il m'a envoyé Serge Lama. Parce que j'avais peur, justement. J'avais peur, et quand j'ai peur, je l'appelle, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses? Il me propose, si, fais-le, en parlant de vous, il m'a dit que vous étiez un type bien. Oh, moi, je suis super. Alors, je verrai à la fin de l'émission. Vraiment, je remercie Michel, sincèrement. Vous savez, le principe, c'est qu'on a enquêté sur votre vie. On a rencontré plein de gens. Certaines personnes ont accepté de venir sur ce plateau. On va essayer de vous connaître mieux, tout simplement. Réel. Ça, c'est sûr. Hein? Il y a des gens qui me connaissent bien. Ils ont de la chance. Et qui sont sur ce plateau. J'aimerais qu'ils apparaissent, s'il vous plaît, pour les téléspectateurs. C'est terrible, ce truc-là. J'aimerais que le public mette son casque. Tout le monde a le casque. Drôle de sensation. On dirait des mouches. Vous pouvez faire ça avec les mains. Je vais être ridicule, alors. Pourquoi ils font ça? Ok. Il est le fils du Dalai Lama. Ça marche. Ok. Ils sont morts de rire, hein. C'est clair. Complice numéro 4. Et moi, je voulais juste te dire que les gens savent pas, mais là, il vient de se lever, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il a l'air tout crimpant comme ça. Bon, vous avez des amis qui ont de l'humour, hein, comme vous pouvez le constater. Bah oui, visiblement, oui, en tout cas. Est-ce que ce sont que des amis? Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Bon, expliquez-nous cette sensation. Dans ce métier, on ne se fait pas que des habits, vous savez. C'est ça. Hein. Comme c'est Serge Lama, on pourrait peut-être chanter. Alors, je voudrais que le public répète après moi. Je suis cocu, mais content. 3, 4. Je suis cocu, mais content. Ça marche bien. Bon, voilà, je crois qu'il se régale. Il aime bien cette position là-haut. Je suis cocu, mais content, c'est un détail sur ma vie ou... Alors... J'aimerais qu'on parle de votre nouvel album. Oui. L'âge d'horizon. Avec un S, oui. Voilà. Mmh. Et c'est 16 nouvelles chansons. Ça fait 7 ans qu'un album avec des nouvelles chansons n'était pas sorti. Donc c'est un événement important. Depuis que je suis revenu à la chanson, c'est-à-dire depuis 1995, je pense que c'est vraiment l'album de la maturité de cette époque-là. Et personnellement, ça n'engage que moi, mais il y a des albums que je trouve réussis. Celui de Je suis malade en fait partie. Napoléon, pour moi, est le plus grand album que j'ai fait de ma vie, pour moi. Et celui-ci est le troisième. C'est-à-dire que j'ai pas fait de meilleur album, à mon avis. J'ai fait trois grands albums dans ma vie, dont celui-ci. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Bah alors, justement, cet album est très réussi. Il n'y a pas que vous qui le dites. Et on propose au public d'en voir un petit extrait. Les femmes aiment des types. Les hommes aiment des fleurs. Les hommes ont des tripes. Les femmes ont du cœur. Les femmes sont la terre. Les hommes sont l'idée. Les femmes veulent plaire, les hommes veulent gagner. Les femmes sont des mères, les hommes des enfants. Les femmes volontaires, les hommes triomphants. Quand
ces deux êtres sont alliés. Ces deux êtres sont alliés. C'est diable et Dieu réconciliés. Diable et Dieu réconciliés. Quand ces deux êtres sont unis, c'est l'envol, vol, c'est l'envol, vol, c'est l'envol et le nid. Serge Lama, des hommes et des femmes, extrait du nouvel album L'âge d'horizon. Album très très réussi, dont on aura l'occasion de reparler dans l'émission. Mais est-ce que vous êtes prêt à commencer maintenant l'émission? Je suis. Est-ce que vous commencez à tourner, vous, ça y est, c'est. Vous êtes prêt? Oui, oui, ben, je suis prêt, oui, j'ai pas le choix. Alors c'est parti. Est-ce que pour savoir si l'émission allait bien se passer, il allait se tirer les cartes, il s'est tiré les cartes avant de faire l'émission? Alors c'est très intéressant, je sais pas si c'est vrai, mais je l'apprends, je l'ai lu nulle part. Est-ce que pour savoir si l'émission allait bien se passer, vous avez tiré les cartes? Parce qu'il paraît que vous faites ça avant chaque spectacle. Je tire les cartes un peu par manie aussi, par superstition. Je n'y connais pas grand-chose. Hein. Ah bon? Je n'y connais pas grand-chose, mais je vois plutôt si c'est positif ou si c'est, ou si c'est mauvais. Quoi. Alors moi, je vous propose un truc, regardez. On va peut-être... Moi, je ne me rends pas compte du tout, du tout, du tout. Mais j'aimerais que vous me disiez si cette émission va bien se passer ou pas. Ah oui, mais là, oui, ce moment-là, il y a un problème. Dites-moi. Si vous avez trop de cartes. C'est vrai? Comme par hasard, je ne me les fais pas beaucoup depuis quelques temps. C'est vrai? Je suis moins curieux de mon avenir, peut-être. Avant chaque spectacle, vous faisiez ça? Oui, pour savoir si ça allait bien se passer. Non, ça m'occupe les mains aussi. Hein. Ouais. Ça m'occupe les mains et pourquoi il a que ça pour lui occuper les mains? Oui, il y a d'autres manières de s'occuper les mains, mais c'est les légumes. J'aime beaucoup faire. J'aime bien éplucher les légumes aussi, parce que c'est une façon, ma pensée est libérée pendant ce temps-là. D'accord. Quand il y a un homme, ça doit être vous, ça, ce méchant homme-là. Bah, ça a déjà été meilleur, hein. Ouais. Bon, est-ce que vous avez vu, par exemple, qu'on est allé chez vous? Vous êtes allé chez moi? Vous l'avez pas vu là-dedans? Ah non. Bon, parce que ce qui nous intéresse, effectivement, c'est de savoir qui est le vrai Serge Lama. Vous avez souvent dit, il y a peut-être presque un malentendu sur moi. Finalement, les gens me voient souvent comme un rigolo. Je ne suis pas que ça, d'accord? Donc, on sait qu'on va essayer de savoir ce soir qui vous êtes à travers ce que vous nous dites, à travers ce que nous disent les complices. Et puis, souvent, on est trahi par des tas de choses, et notamment par notre environnement. C'est vrai? Alors, on a demandé à un psychologue, presque un profiler. Oh là, c'est le mot à bannir, ça, Fred, c'est le mot à bannir. Lui dis pas ça, il va avoir la trouille toute la soirée. On me dit que là, je vous fais peur. C'est l'horreur. Là, je vous fais peur avec ces mots-là. Alors, il faut expliquer aux téléspectateurs qu'on va analyser votre appartement, que vous faites partie de ces artistes qui ne vivent pas avec leur femme. C'est un choix. Donc, c'est bien votre appartement. Oui. Et ce que ce psychologue va découvrir sur vous, et je rappelle que lorsqu'il est allé chez vous, il ne savait pas qui vous étiez. Il ne savait pas s'il était chez un homme, chez une femme. Il ne savait pas chez qui il était. Et on lui a demandé d'essayer de deviner la personnalité de la personne. À travers l'environnement. Il y a des mecs qui font ça, ouais. Bon, ira. Oui. Mais c'est pas bidon, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, il savait pas du tout qui c'était, d'accord? On regarde. Alors, chez qui sommes-nous? Déjà, un piano, un parapluie, une couleur très vive. J'ai pas vu beaucoup d'hommes avec des parapluies comme ça. C'est déjà un indice pour moi. Bizarre. Nous avons ici une cuisine. Quels sont les indices que je pourrais avoir? Beaucoup d'eau, très peu de vin. Encore un indice qui me fait penser que c'est plutôt une femme. Alors non, là, l'ambiance est masculine. Alors bon, on a un ameublement sobre, ça, c'est très moderne. Drôle. Et on a une écriture féminine. Donc ça y est, je me perds de nouveau en conjecture. Alors, est-ce que ces livres ont été posés intentionnellement pour faire intelligent et cultivé? Parce que, quand même, ça le fait. Les maquettes, d'un côté, ça, c'est typiquement masculin. Un beau corps de femme, ça aussi, c'est typiquement masculin. Alors, je ne sais pas si ça, c'est une boule de cristal. Ça me laisse un peu perplexe, parce que ça voudrait dire que cette personne a des croyances, et des croyances qui sont tantôt tournées autour de la Bible, mais tantôt aussi autour de choses plus ésotériques. Bon, point d'interrogation. Quelques éléments qui me font penser que c'est quelqu'un qui aime écouter, parce que ce que je vois ici, c'est « tais-toi, réfléchis, observe ». Ah, ça, c'est l'espace personnel, le bureau, avec tout ce qui fait l'intimité de quelqu'un. On a affaire à quelqu'un de très rangé, déjà, de très soigneux, qui a du goût. Alors, il y a là un abat-jour qui est encore un abat-jour qui me fait penser que c'est plutôt une femme. Bon, on a affaire à tempérament fort si c'est une femme. Alors, là.
Des fleurs, c'est quand même très féminin, ça. Si c'est une femme, ça m'étonne pas. Si c'est un homme... J'ai pas vu de chambre. Donc c'est quelqu'un qui travaille la nuit. Il ne dort jamais. Des chemises. Des vestes. Ah, voilà. On est chez un homme. Mais alors se pose la question des toilettes très fleuries. Donc ce sont des chambres coquelicots. C'est qu'on aime la nature. Bien. Je suis convaincu maintenant que nous avons affaire à un homme. Un homme qui veut faire masculin, mais qui a toute une zone de lui-même féminine, alors qu'il assume ou qu'il cache. Il peut être journaliste, il peut être acteur. En fait, c'est deux éventualités. Alors, vous l'avez compris, c'est votre épouse qui nous a ouvert l'appartement. Elle était derrière la caméra, morte de rire. On l'entend pas rire. Ça, je m'en doutais un peu que c'était mon épouse qui avait fait ça, mais c'est vrai qu'il faut dire aussi que l'appartement, c'est elle aussi qui l'a décoré. Alors, par exemple, les fleurs, j'aurais peut-être pas eu l'idée de mettre des fleurs dans mes toilettes. Et tout ce qui est rangé, c'est elle qui le range aussi. En revanche, la table, ça c'est moi. D'accord. La table, ça c'est moi, parce que je lis effectivement 7 ou 8 livres. Ben ça, on dit que vous êtes toujours dans l'exagération. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que vous en êtes conscience? Ouais, souvent. Ouais. Si on a rendez-vous, c'est toujours 3 heures en avance. Jamais en retard, toujours en avance. Et vous, vous faites partie de ceux qui n'arrivent jamais en retard, mais vous arrivez même très très en avance. On dit que vous pouvez arriver 3 heures avant pour prendre un train. Ah, puis il est chiant avec ça. Oui. Moi, j'ai le souvenir qu'il est allé chercher ma mère à l'aéroport et qu'il avait mis sa casquette et ses lunettes, et finalement, derrière un journal pour pas qu'on le reconnaisse, et du coup, il a raté ma mère à l'aéroport, en fait. Alors, venez me raconter une anecdote, j'espère que vous en souvenez. Parce qu'effectivement, vous êtes allé un jour chercher quelqu'un à l'aéroport. Vous étiez tellement bien camouflé que vous avez raté la personne que vous étiez venu chercher. Il a pas de mémoire. Ça va faire plaisir à ma mère, en tout cas. Vous vous rappelez pas de ça? C'était ma femme? Ben oui. Oui, c'est possible, oui. C'est possible que j'ai fait une chose comme ça. Ça m'est même arrivé d'avoir rendez-vous dans un restaurant avec mon directeur artistique de l'époque. Et on est resté 2 heures dans le restaurant. Lui, on était pas au même endroit. On s'est pas vu. Il a une obsession, en fait. On peut en parler. C'est de dormir dans le noir. Quand il arrive dans un hôtel, en fait, il masque avec un petit bout de sparadrap, là, de gaffeur, comme on l'appelle. Il masque toutes les petites lumières de télé, de magnétoscope. Il coince les rideaux. Ça manger les peaux, c'est mauvais, ça. Ok. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Ça, c'est pour fermer les fenêtres. C'est-à-dire? Ça, c'est pour... Oui. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est mon équipe technique, parce que je supporte pas, quand je suis en tournée, comme je me lève très tard, je suis réveillé dès qu'il y a un rayon de soleil. Alors, j'arrive dans ma chambre avant le spectacle. Et puis, avec l'aide parfois de personnes qui sont avec moi, je fais tous les rideaux, je les coince de tous les côtés avec ça. Donc avec ce gaffeur, vous scotchez les rideaux sur le papier peint. Ah, ça m'est arrivé à Brive. J'ai effectivement coincé les rideaux d'un hôtel de Brive sur la tapisserie. Ouais. Les rideaux étaient bien fermés. Ouais. J'ai bien dormi. Ouais. Je suis parti, j'ai laissé les rideaux comme ça, et effectivement, quand les femmes de chambre sont arrivées dans la chambre de Brive, elles ont tiré les rideaux, elles ont arraché le gaffeur et la tapisserie avec. D'accord. On les salue. Et ça payait les dégâts. On les salue si elles nous regardent. Ça, c'est vrai. Bon, je voudrais que vous me disiez si ça vous dit quelque chose, ça. Je vous laisse aller le chercher. Approchez-vous dans la lumière. Bah, je fais pas semblant de pas savoir, mais c'est encore un truc que j'ai dû faire une bêtise avec. Ouais. Ben, y a plein de poussière, il y a plein de saleté. En fait, c'est la fois où, avec sa voiture sans permis, puisqu'il a eu une voiture sans permis, on va en parler ce soir, s'étant planté dans le fossé, et il a mis le blouson comme MacGyver. En fait, il a vu un épisode de MacGyver, il a mis le blouson sous la roue pour essayer de sortir, et du coup, il a tué son blouson et la voiture. Voilà. Voilà, le public vient d'apprendre ce que vous avez fait avec un blouson en cuir. C'est pas banal, hein. Ah oui, ça y est, je me souviens.
Je me souviens, alors, c'était avec mon fils. Oui. On avait été avec... J'avais une petite voiture. Oui. Mais quand on dit petite voiture, c'est pas un euphémisme, on regarde la voiture. C'était une petite Ferrari. Oui. C'est une toute petite voiture qui va pas vite. Hein. D'accord. Ben, j'ai pas bon permis. Voilà, donc voiture sans permis. On était tombé dans un fossé. Avec une voiture qui va à 50 à l'heure, vous êtes tombé dans un fossé. Oui. C'est important, comme détail. Et pour essayer de sortir la voiture, de la faire démarrer, ouais. J'ai mis le blouson ouais. contre la roue pour faire redémarrer comme dans le Paris-Dakar. Voilà, hein? Exactement. Vous mettez le blouson sous la roue pour sortir d'un fossé. Parce avec une voiture bourbon. Effectivement qui va à 50 à l'heure et puis surtout qui n'a pas tellement de puissance pour, ouais. pour pouvoir... D'accord. Bon, donc vous êtes capable de choses comme ça. Je suis capable de choses comme ça, oui. Et sans m'en rendre compte de la connerie que je fais, oui. On peut parler de son rire, du fait qu'il rit fort et que ça a pu déranger des gens des fois. On parlait de votre rire, on vous a entendu rire plusieurs fois. Moi, d'accord. Il me faisait peur ouais. quand j'étais petit avec vous. Ça fait partie de vos paradoxes, parce que c'est vrai que le public a de vous cette image-là. Très, très rieur. D'accord. Oui. Alors qu'en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que vous êtes quelqu'un de plutôt mélancolique? Oui, c'est-à-dire que j'ai remarqué, moi, c'est moi qui ai remarqué ça, quand je suis avec une ou deux personnes que je connais bien, je suis extrêmement sérieux, mélancolique, tout ce que vous dites, nostalgique, plutôt introspectif. Et quand, dès que j'arrive quelque part, est-ce que c'est le déclenchement d'une politesse, ouais. D'une défense, j'en sais rien, mais je me mets à faire le show. Et il se passe un truc, il n'est plus moi. Bon, comment vous expliqueriez cette mélancolie? Est-ce qu'on peut parler de votre enfance? Parce que tout remonte à ça, on est d'accord? Certainement, oui, mais... Il y a des événements comme ça qui marquent un être humain. Quand il était petit, il restait enfermé, chez lui parce qu'il avait peur de se salir, parce que sinon il se faisait rosser par sa mère. Belle femme. Effectivement, vous dites ma maman est jolie, mais on me dit qu'à cette époque-là, c'était quelqu'un qui vous faisait un petit peu peur, qui était assez sévère. Pas quand j'étais petit. Quand j'étais petit, ça a été à peu près... C'est disons quand elle a poussé mon père à arrêter, parce que c'est quand même elle qui l'a fait. Alors on rappelle que votre papa était chanteur. Et donc, que, comme moi, c'est comme s'il avait arrêté mon propre bonheur. C'est-à-dire que ce qui me rattachait au bonheur, en dehors du fait d'être avec eux, c'était que mon père chantait. Elle lui demande d'arrêter de chanter pour devenir livreur de bière, représentant en bière. Représentant, oui. Et représentant en bière. Et donc ça, c'est presque un sacrifice pour vous. Vous voyez votre père, c'est vous résignez. C'est plus que ça. Je pense que là, il y a une... Tout ce que vous cherchez, c'est là que ça se passe. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a tout mon rapport avec les femmes dans le futur a été changé. Tout mon rapport avec tout a été changé. C'est-à-dire je suis devenu un rebelle. J'étais un enfant tranquille, elle le disait elle-même. Je crois qu'il a même demandé à son père, ce qui est une chose un peu bizarre, il a demandé à son père de quitter sa mère. Et là, vous êtes un enfant, vous avez 11 ans. Est-ce que c'est vrai que vous demandez, ce qui n'est pas banal hein, pour un enfant, vous demandez à votre père de quitter votre mère, tellement vous ne supportez pas l'arrêt de sa carrière? C'est vrai. C'est vrai, mon père était en larmes et je lui ai dit, mais va-t'en, ça ne changera rien. De toute façon, on restera, on s'arrangera, quoi. Je l'ai entendu dire, je vengerai papa plus tard. On me dit que vous avez dit à cette époque-là, je vengerai mon père. Bah oui, j'ai eu mon époque Monte Cristo, mais par la suite, une fois que moi j'ai fait le métier aussi parce que j'aimais ça. Bien sûr. Faut pas non plus tout mettre sur mon père, hein, le pauvre. Père son âme, je veux dire, j'ai pas tout fait à cause de ça quand même. Bien sûr. Et il avait l'Olympia sous le nez aussi en face chaque fois qu'il sortait du théâtre des Capucines avec son père. Et là aussi, c'est pas une légende, vous aviez l'Olympia en face de chez vous. Oui, parce que mon père chantait au théâtre des Capucines, qui était un petit peu, presque en face, un peu décalé. Et c'est vrai que j'ai dit, moi je serai là. Donc 12 ans quand vous en rêvez, 29 ans quand vous le faites pour la première fois, c'est assez long. Et c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des obstacles dans la vie. Que vous avez dû surmonter. Et l'obstacle le plus terrible, c'est ce qui vous est arrivé en 1965, c'est ça? 1965, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez 22 ans, ouais. Un accident de la route terrible, tout vous à perdez fait. Deux êtres chers, tout à fait. La femme dont vous êtes amoureux, un ami très proche qui était le frère d'Enrico Macias. Et vous-même, vous êtes physiquement brisé à ce moment-là, vraiment, oui. Alors là, je voudrais dire que les gendarmes sont venus me trouver à l'entracte et ils m'ont dit, voilà, vous êtes monsieur Hamon, oui. Ils m'ont raconté ce qui était passé, qu'il y avait la petite qui était morte sur le coup et qu'il y avait deux très grièvement blessés. Vous imaginez dans quel état d'esprit j'ai fait le pitre. Je me suis précipité et pendant 2 heures, j'ai vu deux corps allongés côte à côte. Il y en a un qui n'a pas réchappé malheureusement, qui était le frère d'Enrico. Et Serge, j'ai assisté à un spectacle qui m'a marqué pour la vie, car ma mère était infirmière.
mourir, j'ai vu des gens qui allaient mourir bientôt, mais j'ai assisté à une lutte pour la vie avec des tuyaux partout, des chuintements, des tuyaux qui retiraient le sang, d'autres qui apportaient l'oxygène. J'ai vu ce que c'était qu'un organisme qui se défend pour pas que la mort le prenne. Et ça, ça m'a marqué à vie. Et ça, c'est Serge qui m'a montré ça. C'est un témoignage très très fort. Et il y a des gens qui vous ont vu dans cette situation, qui disent « j'ai vu un organisme humain lutter pour l'existence, pour la vie ». Vous, de l'intérieur, vous l'avez vécu comment, ce moment précis ? Bah écoutez, ça paraît incroyable ce que je vais vous raconter, mais quand je suis sorti du coma, j'ai fait, je ne sais plus combien, 36 ou 38 heures de coma, et bon, j'avais un trou ici, je ne pouvais pas parler, et il y avait René Lebas qui était ma productrice, qui était là, qui était au pied du lit, il y avait mes parents, et j'ai regardé l'état dans lequel j'étais, couvert de plâtre, la jambe tendue. J'ai tout regardé d'un œil comme ça. Ils m'ont demandé d'appuyer pour pouvoir parler, est-ce que je pouvais pas. Et la première phrase que j'ai dite, 2 ans de retard. 2 ans de retard, c'est vous dire à quel point la seule chose à laquelle je pensais dans ma tête, c'était de chanter et d'être à l'Olympia. C'était une sorte de super contre-temps, quoi. C'était 2 ans de retard. J'ai évalué d'un seul regard. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mmh. Oui, le médecin avait dit qu'il ne pourrait jamais remarcher vu l'état de la colonne vertébrale. Il a échappé de peu aussi à ce qu'on lui opère les cordes vocales. Ça, c'est un truc qu'il a rarement dit. Et à ce qu'on lui coupe la jambe aussi. Il a failli lui couper la jambe. J'ai un miraculé total. On dit qu'on a failli vous couper la jambe. Tout, oui, tout. Et vous êtes chanteur. Est-ce que justement, bon, déjà, vous avez failli perdre la vie, mais est-ce que vous avez failli perdre ce qui est votre outil de chanteur? C'est Marcel Amont qui m'a sauvé. C'est-à-dire? Marcel Amont est arrivé. Marcel Amont, c'était la vedette du spectacle dans lequel j'étais pendant cette tournée-là. On a eu l'accident, j'allais vers le gala où je chantais. Et j'ai pris 7 ou 8 platanes, bon, etc. Et Marcel Amont, dès qu'il a su ça, qu'il a fini son tour de chant, il a foncé à l'hôpital à Aix-en-Provence, et il a arrêté les chirurgiens qui étaient prêts à faire n'importe quoi pour me sauver, parce que c'était ce qu'il fallait faire. Mmh. Il leur a dit surtout, faites attention là, quand il a vu qu'il voulait me faire une chose par ici, il leur a dit, c'est un chanteur, et c'est peut-être lui qui a sauvé ma voix. C'est Marcel Amont qui m'a sauvé la voix. C'est un sentiment de gratitude très fort, ça. Ah ben, énorme. Le public spontanément applaudit Marcel Amont, qui a sauvé effectivement votre voix. On parle de cet épisode dramatique parce que c'est important de savoir que ceux qui nous regardent, qui traversent des moments très très difficiles, peuvent imaginer la suite. Il s'est rééduqué avec rage. Vous êtes rééduqué avec rage, on me dit. J'aime bien cette formule. Et vous avez donc enregistré votre premier succès. Vous étiez encore dans un brancard. J'ai enregistré 4 chansons. 4 chansons couchées. Sur, je me demande même si j'ai pas enregistré L'Orgue de Barbara, d'ailleurs, qui était une chanson à la gloire de Barbara. Donc, que j'avais enregistré, effectivement, couché, oui. Alors, il y a eu des obstacles dans votre existence, des tas de choses qui vous auraient empêché de faire ce que vous avez fait, et la force de la vie a fait que vous avez réussi à surmonter tout ça. Vous avez fait ces succès phénoménaux. Est-ce que ce succès-là a apaisé le petit garçon de 12 ans qui rêvait de prendre la revanche sur son père ? En partie, sûrement. Mais vous savez, il y a des choses qu'on ignore de soi. Il y a des choses qui sont peut-être insatisfaites et dont je ne connais pas la source. Alors, toutes les choses qu'on a dites tout à l'heure, il est probable qu'elles sont inguérissables. Et ces blessures-là, je ne les guérirai jamais. D'accord. Alors, c'est sûr que le petit garçon qui voulait faire le métier est satisfait. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que l'autre partie de moi-même est satisfaite? Ça, je ne pourrais jamais le savoir. Mm-hmm. Peut-être de l'autre côté. Et tout le monde se demande comment vous écrivez des chansons. Tout seul au bistrot. Voilà. On essaie de voir comment ça se passe. Non, j'ai écrit partout. Ça vous dit quelque chose, ça? Regardez. C'est chez Denis. Ça, c'est la tour Montlhéry, oui. C'est une nappe en papier d'un restaurant. Chez Denis, un jour, ils ont mis des nappes en tissu et il a refusé d'y retourner tant qu'il ne remettrait pas des nappes en papier. Je ne sais pas si c'est une chanson qui est sortie, d'ailleurs. Mais c'est ça que je voudrais savoir. Regardez, tu la chantes, il la chante, on la chante. Je la chante, tu la chantes. Il la chante, on la chante. C'est très rare quand même. Je la chante, tu la chantes. Il la chante, on la chante. Donc, c'était pour qui cette chanson? Vous vous rappelez pas? Vous êtes là dans un bistrot? C'était pour Régine. Cette chanson est sortie. C'était Régine, c'est vrai. C'était Régine. Et donc, c'est assez incroyable. Quand on voit le résultat et qu'on voit comment ça se démarrait sur une petite nappe de on imagine que le repas durait longtemps. Et vous écrivez beaucoup, 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 et il y a des gens qui s'en plaignent. Regardez.
Bonjour, je m'appelle Lara. J'ai 38 ans, je vis entre Bruxelles et Montréal. Depuis maintenant 3 ans, je suis victime d'un harcèlement un peu particulier, un harcèlement presque insupportable. En effet, un certain Serge m'envoie entre 30 et 50 SMS par jour. Oui, par jour. Alors, ils sont magnifiques, ce sont des poèmes très très bien écrits, tout ça est très touchant, mais tout de même 50 SMS par jour. Enfin, juste les lire, ça me prend la journée. Alors... Ça y est, c'est encore lui, on est reparti. Tiens, oui, c'est ce que je vous disais. Donc, ton corps est un piano dont je jouerai toutes les touches. Oui, non, mais il n'y a pas à dire, c'est toujours assez... toujours très... Toutes les touches. Oui, il sera bête. Oui, c'est pas mal. Bon, alors, Serge, si tu m'entends... Oui. Voilà. Je n'en peux plus. Il faut que t'arrêtes. Voilà, il faut que t'arrêtes parce que j'ai un peu le... Voilà, j'ai un peu le... Enfin, comment dire, c'est plus possible. Voilà, tout simplement, j'en suis malade. Voilà. Je suis compliquée, mais j'en suis malade. Il faut que t'arrêtes parce que c'est pas parce qu'à un moment donné, je me suis mise à chanter quelques-unes de tes chansons, bien que j'ai chanté avec toi, que ce harcèlement est possible, il est impossible. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'en suis complètement malade. Rendre malade. C'était au Palais des Congrès, un 28 janvier 1995, lorsque tu as décidé, devant une salle pleine, 5000 personnes, de me laisser la place, alors que tu ne m'avais pas prévenue, pour me faire chanter cette merveilleuse chanson que tu as écrite. Et je t'en remercie de tout mon cœur. Alors Fabien, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de SMS ? Il en envoie 3000 à 4000 par mois. Effectivement, à une époque... 3000 par mois. Plus, oui. Des fois plus. Et au début, il voulait qu'on écrive en vers. C'est pratique pour dire, tiens, j'ai oublié le pain, ou je sais pas. La faute, en fait, c'est le garçon qui me conduit en voiture, ouais, et qui fait la poursuite. Un jour, il m'a dit, t'es pas plus bête qu'un autre, tu peux apprendre à te servir de ton portable. Donc il y a un responsable. Mais je n'y comprends rien, je dis à ce truc-là. Et il m'a expliqué, et à la suite de ça, j'ai vu que je pouvais envoyer des mots. Et moi, les mots, c'est sacré pour moi. Et à partir de là, quand j'ai commencé à faire des textos, je n'ai plus arrêté. Et c'est comme ça, en écrivant à toutes mes copines des textos un petit peu chauds que j'envoyais un petit peu partout à travers toute la France, que j'ai construit mon livre, la partie sexe de mon livre « Sentiments, sexe et solitude ». Ça m'a fait faire des exercices. Elles m'ont renvoyé les poèmes. Comment c'est bien expliqué ? J'ai fait des SMS un peu chauds, c'était des exercices. Et d'ailleurs, il a fait une rencontre merveilleuse par texto. Cette personne s'appelle Katie Gavalda. Et ça l'a beaucoup, beaucoup touché, beaucoup. Alors, il vous est arrivé un truc, je ne savais pas que ça existait. Vous avez fait une rencontre par texto. Comment on peut faire une rencontre par texto déjà ? Bah, c'est-à-dire que quelqu'un m'a envoyé, je ne sais plus quoi. Ouais. Je ne me souviens plus de la phrase exacte. Ouais. Mais je ne connais pas cette personne, je ne connaissais pas le numéro. Et j'ai répondu. Et puis répondant, j'ai appelé. D'accord. Et puis après, on a parlé pendant une heure. Voilà. D'accord, ça s'est passé comme ça. Alors, le problème, c'est que lui, il a un forfait illimité, mais si l'autre l'a pas en face, ça peut poser des soucis. Vous riez par mimétisme, en fait. Ben, je ris parce que le public rit. Et vu le ton de la conversation, je me méfie, quoi. D'accord. Alors, cette personne que vous rencontrez par SMS s'appelle comment ? Parce que vous lui avez dédié votre album. Elle s'appelle Katie Gavalda. Ouais. Et j'ai rencontré une personne absolument extraordinaire sur le plan mental. Quelqu'un qui a un courage, une force mentale comme j'ai rarement rencontré dans ma vie. Quelqu'un qui lutte contre une maladie terrible, qu'on ne nomme jamais, mais on sait laquelle, et que j'aide au maximum de mes possibilités. C'est un peu comme si Jean Valjean avait rencontré Cosette, si vous voulez, mais des années, bien des années après. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais le hasard, moi je ne crois pas au hasard, a fait que nous nous sommes rencontrés. Et c'est une personne pour laquelle j'ai une affection énorme. Alors je ne sais pas si c'est réciproque, j'aimerais qu'elle nous le dise. Cathy est avec nous au téléphone. Bonsoir Cathy. Bonsoir, vous allez bien ? Très bien. Donc effectivement, Serge, vous avez compris que Cathy est là parce qu'elle a envie de témoigner elle aussi. Est-ce que vous pouvez me dire deux mots sur Serge Lama ? Parce que les gens qui nous regardent peuvent se dire « Oui, les artistes passent pour des gens généreux, très attentionnés, etc. » Est-ce qu'ils vous envoient vraiment des SMS régulièrement ? Ah oui, c'est vrai que c'est parti à la base d'une banale erreur de numéro de téléphone. Ouais. Et c'est vraiment la plus belle rencontre de ma vie. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui son soutien est vraiment quotidien, tous les jours... C'est vraiment une source d'espoir pour moi et c'est vrai que
c'est vraiment une rencontre extraordinaire. La source d'espoir, c'est toi aussi, avec ce tempérament qu'il y a. Même toi aussi, les chirurgiens et les docteurs, ils n'arrivent pas. Cette personne-là, et je sais pas de quoi t'es faite, mais t'es pas faite comme tout le monde, quoi. Oui, sans ton soutien, sans tout ce qui s'est passé. Je ne serais jamais revenue. Et en plus, ton courage à toi, parce que je veux dire, la façon dont tu te bats, c'est un exemple pour moi. Voilà, c'est magnifique. On peut applaudir Cathy. Cathy, c'était quand le dernier SMS qu'il vous a envoyé, pour voir si c'est vrai qu'il envoie tout le temps des SMS? Le dernier, c'était dans l'après-midi, là. Aujourd'hui. Mais est-ce que vous pouvez nous le lire, ce SMS? Il faut bien te dire, Cathy, que tout futur est des Cathy. Les avenirs sont sans printemps, même pour les gens bien portants. Nous serons tous les invités de la vaste électricité. Il y a, sinon Dieu, quelque chose, au-delà des chairs et des roses. Sinon, toutes les vies sont vaines et l'espoir n'en vaut pas la peine. Alors, Cathy, vis en sachant qu'il y a un champ après le champ. Magnifique. Bon. C'était pas fait pour être publié, mais c'était quelque chose d'adressé à Cathy cet après-midi. C'est effectivement aussi comme ça que j'ai publié certaines choses que j'ai écrites. C'est vrai que j'essaye de lui expliquer des choses que je ressens parce qu'elle n'est pas croyante. Elle n'est pas croyante, elle est agnostique, elle est athée même. Et moi, je crois pas en Dieu vraiment, mais je pense que notre rencontre déjà n'est pas fortuite. Et je pense qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que j'appelle ça électricité, parce que je pense qu'il y a quelque chose. Et moi, je sens que les gens qui ne sont pas là sont là. Et je ne crois pas en la mort, voilà. En quelque sorte, je ne crois pas en la mort. Voilà. Pourront se réincarner, peut-être. Peut-être. Alors, je voudrais juste remercier Cathy. Elle est à Toulouse, et donc on a senti le petit accent. Et je la remercie de ce témoignage. C'est quelque chose de très intime, mais qui dit beaucoup sur Serge Lama. Merci beaucoup, Cathy. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je rappelle que Cathy, vous lui avez dédié cet album, L'âge d'horizon. Voilà, nouvel album de Serge Lama. Et il s'entend quand même globalement, c'est vrai, beaucoup mieux avec les femmes qu'avec les hommes. Mais c'est pas un macho ni un misogyne comme on a pu le penser. Hein. Donc pas macho, pas misogyne comme on a pu le penser. Ça a été dit beaucoup sur vous. Vous savez, misogyne, macho, je pense qu'aujourd'hui c'est terrible parce qu'on ne peut plus rien dire. Les mots, on vit dans une époque un peu de politiquement correct. Ouais. Et les hommes n'ont plus le droit à grand-chose. Ils ne peuvent pas être macho, ils ne peuvent pas être ceci, ils ne peuvent pas être cela. Guitry ne pourrait plus écrire, Oscar Wilde non plus. Brassens, il y a au moins, j'ai compté 30 chansons qui ne pourraient plus sortir aujourd'hui. Alors je crois que les hommes, les vrais, sont un peu tout. Moi, il y a une part féminine en moi, donc je ne peux pas forcément détester les femmes. Ma mère a beaucoup fait pour que je les prenne en grippe. Parce que pour moi, à cause de ma mère, la femme était forcément une prédatrice, était forcément une castratrice. Et donc, il ne faut jamais oublier que la mère, ça compte dans la vie de quelqu'un. Ça explique votre rapport aux femmes. Et le rapport aux femmes, jusqu'à la trentaine, à peu près, ça a été un peu ça. Mais après, j'ai changé. Ouais. Parce qu'on change dans la vie. Ouais, quand il offre des roses à une femme, enfin à certaines femmes, il est capable d'en offrir 1000. Moi, je voudrais comprendre comment vous êtes avec les femmes. Vous savez leur faire des choses qui leur font plaisir, je rentre pas dans le détail. Je ne pensais pas à ça. Je pensais à autre chose. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Une rose. Ouais. Est-ce que ça vous rappelle un événement particulier de votre vie, quelque chose que vous avez fait et que très peu d'hommes ont fait dans leur vie? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Regardez. Oui, c'est ça. C'est-à-dire? Oui, c'est ça, oui. C'est ça. C'est quoi? On voit... J'ai envoyé... Une centaine de roses. 1000 roses. 1000 roses? J'ai envoyé 1000 roses à une chanteuse qui m'avait chanté la chanteuse à 20 ans en anglais. Shirley MacLaine, qui chantait au Palais des Congrès. Et elle s'en est souvenue toute sa vie. Et chaque fois que Shirley MacLaine vient à Paris, elle demande toujours où est Serge Lama. Parce qu'elle n'a jamais de sa vie, cette femme qui a été comblée, qui a eu des succès tout à fait extraordinaires, elle n'a jamais eu personne qui lui a envoyé 1000 roses. En tout cas, vous faites, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes quelqu'un qui exagère souvent. Donc là, effectivement, 1000 roses, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait dans leur existence. Oui, parce que 100 roses, ça me semblait déjà... Si vous voulez, 100 roses, ça me semblait possible. 1000 roses, ça me semblait impossible. Et vous l'avez fait. Et aujourd'hui, j'en enverrai 1003. Bon, ils ont une rose dans la main, mais ils peuvent vous applaudir parce que c'est pas banal et ça dit beaucoup de vous. Mais en tout cas, c'est un grand confesseur et un excellent psychologue pour les femmes. Il aime bien jouer. Il aurait peut-être pu être psy, je ne sais pas. Parce qu'on m'a dit que vous êtes presque un confesseur, presque un psy pour les femmes.
En tout cas, elles se servent de moi, elles se servent beaucoup de mon oreille, oui. D'accord. Oui. Moins cher, hein. C'est vrai. Vous en servez aussi. Alors justement, non, parce que, effectivement, en enquêtant, on s'est rendu compte que vous aviez une manière très très particulière de parler aux femmes et que c'était assez efficace. Et donc, je me dis qu'il y a plein de gens qui nous regardent qui disent « Waouh, j'aimerais faire comme lui, quoi. J'aimerais savoir parler aux femmes. » Et c'est vrai que moi, j'aurais donné des millions de dollars pour être une petite souris quand vous êtes en train d'aborder une femme. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben oui, moi aussi, j'aimerais bien. C'est-à-dire que si le public a envie de devenir une petite souris, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de magie, d'accord ? Pour voir comment il s'inquiète, j'adore quand il s'inquiète. Alors, regardez. On est en train de mettre un bandeau à Serge Lama. Je vous explique mais pourquoi. Mais c'est une émission de tortionnaire. Mais c'est-à-dire que... C'est sadomaso ici. Je vous explique. Merci Fred pour cet instant de bonheur. Je suis content. J'aimerais que vous enleviez votre bandeau. Maintenant, okay. Ouais. Maintenant. Restez assis. Restez assis. Alors, que s'est-il passé ? Il y a un paravent de chaque côté, avec deux créatures, de chaque côté. Il y en a une qui est plus vieille que l'autre. Hein. Qui, effectivement, on me le dit, n'ont pas le même profil. Ce sont des femmes totalement différentes. Ça, c'est bien dit, ça, bravo. Du métier. Ce sont des femmes très différentes, d'accord ? C'est pour ça qu'on a demandé d'ailleurs qu'elles se cachent, pour pas que vous soyez influencées. Et on aimerait savoir, bien sûr, que vous n'êtes pas seul avec elles, qu'on a la télévision, d'accord ? On prend ça en compte. Mais on aimerait que vous leur parliez. Alors, elles ont chacune un micro qu'elles vont approcher très près de leur bouche. Et puis, j'aimerais que vous leur posiez. Alors, vous pouvez vous adresser à la dame qui est à votre droite ou la dame qui est à votre gauche, juste qu'on vous entende parler pour le plaisir, pour voir comment ça se passe quand vous parlez à une femme pour la première fois. Ah, ça fout le trac, hein. Vous êtes de quel signe ? Gémeaux. Gémeaux, oh là. Mauvaise réponse. Gémeaux, donc vous avez déjà une double personnalité, mais les Gémeaux sont intéressants. J'en ai connu. C'est vrai que ça permet d'avoir deux femmes pour le prix d'une, c'est ça ? C'est ça, exactement. Deux femmes pour et le prix d'une. Et même quatre des fois, parce que comme tous les signes sont doubles, ça fait que des fois les Gémeaux sont quatre. Alors ce qui fait que d'une certaine manière, ben, nous retrouvons dans une drôle de situation. Oui, mais Gémeaux ascendant Cancer. Ah. C'est différent. Donc, comme moi, vous avez un fond d'introspection quelque part. Donc, de temps en temps, vous avez des coups de mou, vous avez des. Vous êtes très attaché à la famille ? Ah oui, complètement. Très attaché à la famille par votre cancer. Et puis, en même temps, vous avez un goût de la liberté un petit peu anarchique par votre côté Gémeaux. Exactement. Vous êtes comme ça ? Ben oui. Oui, moi, j'aime beaucoup les femmes qui sont comme ça. C'est pas mal. On s'entendrait bien. Elle joue le jeu, jouez-le, allez-y. Est-ce que vous êtes... Vous travaillez ? Oui, bien sûr. Vous travaillez, vous êtes un travail dont vous êtes contente, c'est un travail qui vous satisfait ou c'est un travail que vous faites simplement parce que vous êtes obligée de travailler ? Ah non, non, pas du tout, je suis très très heureuse. Vous êtes très heureuse de travailler ou vous êtes très oui. heureuse tout court ? Très heureuse de travailler. Et très heureuse tout court ? Très heureuse tout court. Donc vous êtes célibataire ? Vous êtes drôle. Pour une célibataire, on pourrait en trouver une autre. Alors, vous allez peut-être vous retourner vers la dame à votre gauche, alors. Qui est Bélier. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Serge Lama, je suis chanteur. Je suis chanteur et comme vous pouvez le remarquer, j'ai pas un physique très avantageux. Alors, je suis obligé très souvent de parler ou d'écrire aux femmes pour qu'elles s'intéressent à moi. Et moi, dès que je vous ai vu, je me suis intéressé à vous. Alors... J'aimerais savoir, est-ce que je peux continuer à parler ou est-ce qu'il vaut mieux que je vous écrive ? Eh bien, moi, je suis plutôt fonceuse, plutôt bélier. Ah, vous êtes plutôt bélier ? Oui. Parce que je ne vous ai pas demandé votre signe. Hein. Non, mais c'est pour ça. Mais elle a écouté la un conversation. Bélier plutôt... Vous êtes bélier plutôt bélier. Plutôt jaloux, bélier, ouais. Vous êtes fonceuse, vous savez ce que vous voulez. Et jalouse. Et jalouse ? Oui. Ah. Ah, donc il faut que je sache mentir. Par exemple ? Il faut que je sache mentir. Est-ce que vous êtes fidèle, si vous êtes jalouse ? Je suis amoureuse. Ah, quand on est amoureux, on est fidèle. Exactement. Mais vous êtes dans la première phase de l'amour ou vous êtes dans la deuxième phase ou... Non, disons que je suis une femme amoureuse, une femme qui tombe amoureuse et une femme, dans ces cas-là, qui est fidèle. Mais vous êtes dans la phase où vous êtes amoureuse, là, dans le tout premier temps. Ça fait combien de non, mois que vous êtes amoureuse, à peu près ? Je ne suis pas du tout amoureuse en ce moment. Même pas de ma voix ? Ma voix ne vous fait rien ? Comme...
Même quand je fais comme ça, même quand je fais comme ça dans le grave, ça ne vous fait rien, parce que beaucoup de femmes me disent que quand je fais dans le grave, c'est tellement agréable. Oui, mais faut vous beaucoup moins quand je fais dans l'aigu. Ça marche moins dans l'aigu. Ça marche moins. Je ne rêve plus. Je ne fume plus. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi. Ça vous irait, ça? Ça m'irait. Vous pourriez tomber amoureuse de quelqu'un que vous ne voyez pas et dont la voix vous plaît, Oui. Dans le grave? Oui. Dans le grave. Alors moi, j'aimerais applaudir ces deux femmes et Serge Lama qui ont joué le jeu. Et je ne m'attendais pas à ça. Parce que le contexte n'est pas facile. Effectivement, on voulait savoir. Ben ça, voilà. Et je dois dire, il faut quand même que les gens le sachent, c'est une surprise totale. Hein. Ah bah oui, c'est clair. Parce que les gens pourraient croire que dans une émission comme ça, que les choses sont truquées. Je jure que c'est bon, pas truqué. Quoi. Et puis nous, on a vu un petit peu comment. Là, je me suis bien amusé. Non, mais en plus, nous, on a pris des notes. On a vu par quoi vous pouvez commencer. Voilà, vous écoutez. C'est un peu en ça, d'ailleurs. Beaucoup y a un de réparties parce que vous écoutez c'est bien. C'est visuel là, mais. Tout à fait. Mais c'est un peu de ça. Oui, un peu de ça. Et Fred, il y a ma mère qui regarde. Hein, je te rappelle. Hein. En général, d'ailleurs. Attention, okay, alors, avec laquelle, alors je sais bien que vous allez blesser une des deux femmes, mais avec laquelle de ces deux femmes qui n'ont pas du tout le même profil, qui ne se ressemblent pas, te plante pas, s'il te plaît. Quoi, avec laquelle de ces deux femmes vous aimeriez dîner? C'est pas ce qu'on pourrait croire. Avec celle-ci. Avec celle de droite? Oui. On la découvre avec des applaudissements, mesdames, messieurs. On applaudit Chantal Goya. On applaudit trop fort. En plus, elle est mariée et tout. Jean-Jacques est un copain, c'est un folie. Bonsoir Chantal. Je vous laisse. Célibataire. Je vous laisse l'installer. Allez-y. Bon, vous êtes ravi de savoir que vous allez dîner avec Chantal Goya. Mais je suis ravi. Il y a longtemps que j'ai dîné avec Chantal Goya et qu'on a été ravis de dîner ensemble. On va en parler. Il y a Jean-Jacques debout. Mais oui, tu m'as dit que j'étais pas mariée, que j'étais célibataire. Et même assis. D'accord. Est-ce que vous voulez voir avec en tout cas. Est-ce que vous voulez voir l'autre? Oui, bien sûr. Je suis fou de curiosité. Pour savoir quelle est l'autre jeune femme avec qui vous auriez pu dîner. Ben je brûle. On y va, c'est parti, on l'applaudit très fort. On l'applaudit très très fort. Louise et Joseph. Ça va? Ça va, oui. Et on dit qu'il a beaucoup d'humour, mais pour vous, il a quand même fait le guignol. Oui, c'est vrai qu'il a quand même chanté Guignol chez Marité Gilbert Carpentier. C'est Guignol, déguisé avec un truc. Tu l'as fait avec moi? Ah ouais, non, mais ça, c'était. En tout cas, elles ont accepté de jouer le jeu pour voir comment il abordait une femme pour la première fois. Vous saviez pas qui vous vous adressiez? Non, pas du tout, non. En tout cas, Jean-Jacques m'a dit de te dire que tu lui fais vraiment du bien. Tu te rends compte ce qu'il te m'a dit? Dis à Serge qu'il me fait énormément du bien quand il rit et que ce rire devait être remboursé par la Sécurité sociale. Parce que moi, tu ferais rire toute la France qui en a bien besoin. Actuellement, oui, ça c'est sûr. Exactement. Vous le connaissez depuis longtemps. Oui, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectatrices qui ne l'ont jamais rencontré pourquoi vous le voyez comme un séducteur? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? D'abord, Serge est quelqu'un de très sensible et de très intelligent. Et qu'il détecte tout de suite chez les autres. Il sait se donner aux autres tout de suite. C'est pas quelqu'un qui me parlait de lui. Ouais. Il sait se donner aux autres et en même temps, son rire, son humour, sa joie de vivre, tout ce qu'une femme aime chez un homme. D'accord. C'est beau. C'est un peu difficile de se laisser parler. Louise. Et son talent. Moi, ce qui m'a touché la première fois, parce que ça remonte quand même à un petit bout de temps, quand on a fait cet album Pluriel avec lui, on a chanté Femme, 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 on était dans le studio, avec pas loin du studio de Pascal Obispo, où j'ai fait ma première rencontre avec lui. Et il nous regardait en train de chanter dans la cabine, et puis il faisait un peu les machos, les deux, comme ça. Il nous regardait, les cinq, en train de chanter. Et puis, oui. Puis il nous regardait comme ça, laquelle, oh, elle est bien mal, elle est pas mal. Et il y avait un côté un peu coq. Ils faisaient les coqs, les deux. Non, mais c'est assez. Alors, pour des filles de notre âge, on trouve ça très, très attirant. Et après, effectivement, en grandissant, j'ai trouvé quelque chose chez Serge que j'ai jamais tutoyé d'ailleurs. Oui, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que on fait le même métier, d'accord. Généralement, on se tutoie. Il y a c'est vrai. Une espèce de distance et de respect en même temps que j'ai vraiment vis-à-vis de lui. Parce apparemment, que c'est ça a marché quand même. Hein. Voilà. Maintenant qu'il y a le respect, c'est terminé, c'est rappel. C'est quelqu'un qui nous a ouvert une porte, en tout cas, de la musique française. Bon, en tout cas, j'aimerais qu'on applaudisse, parce que ce qu'elle vient de dire est très, très, très joli. Je rappelle qu'on peut trouver votre album un peu partout, La Saison des Amours. C'est un très très joli, vraiment très très bel album. Magnifique, vous le confirmez. Et elle a beaucoup de talent, elle est très intelligente, elle est formidable. Moi, je l'ai vue dans des interviews et des choses, elle est canon. Hein. Voilà, donc La Saison des Amours. Dans tous les sens du terme. On applaudit Louise et Joseph. Vraiment, merci d'être revenu pour ce clin d'œil. Et puis Chantal,
Alors, il y a à la fois les trois plus beaux spectacles en DVD, d'accord ? Faites partie de l'inconscient collectif, on l'a beaucoup dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens de toutes les générations qui l'adorent. Et qui la regrettent. Et qui la regrettent beaucoup. Et qui peuvent aller la voir sur scène. Et qui ont eu plaisir tellement à l'époque et que ça faisait bien à une époque de dire du mal de Chantal Goya. Et maintenant, on regrette bien qu'il n'y ait plus de Chantal Goya. Hein. Alors, justement. Oui, mais je sais que tu es là. Non, mais je veux dire qu'il peut y en avoir des 20 ans aussi qui feraient du Chantal Goya et que ça ne serait pas démodé du tout. Exactement. Et Chantal, justement, c'est très gentil ce que non tu mais dis. Justement, Chantal vous permet de la voir donc à la maison dans ce DVD, d'écouter les chansons pour vos enfants, si vous avez envie de le faire découvrir à vos enfants, si vous avez fait partie mais même de ces fans. Les spectacles sont pour les grands aussi, hein, c'est on peut la voir en vrai. Le 13 décembre à Lille. Alors vous serez le 13 décembre le à Lille. Zénith de Lille, on fait une tournée de 40 dates dans toute la France. Happy birthday Marie-Rose. Oui, parce que ce sont mes 30 ans de scène, 79, 2009. Ça s'applaudit. Donc, merci en tout cas d'être venu nous voir, merci beaucoup. Je remercie Chantal Goya et Louisie Joseph d'avoir joué le jeu. Merci. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Je vais sortir par la grande porte. Merci. On les applaudit très fort. Alors, on a essayé de comprendre un petit peu qui vous étiez. On a expliqué avec cette enfance l'aspect mélancolique que le public ne connaît pas forcément. Et vous avez fait des progrès. Oui, on a appris beaucoup de choses dans cette émission. On a découvert effectivement une explication que vous avez donnée sur vos rapports avec les femmes. Il y a un truc où j'aimerais vraiment une explication parce que ça, c'est pas banal. Vous en avez fait des choses pas banales. En 81, il a eu un fils, Frédéric. Ouais. Et il a caché à tout le monde qu'il avait un fils jusqu'à son anniversaire de février. De février, cinq mois plus tard, où il est venu à la maison fêter son anniversaire. C'était à côté de Compiègne. Il est arrivé et Michel est sorti de la voiture avec un bébé. Et je dis à Serge, mais qui c'est ? Il me dit, mais c'est mon fils. Alors, ça, et moi, je l'ai appris, il avait 3 ans, par la couverture de VSD. Ah, là, il y a un gros morceau, là. C'est pas mal non plus. Gros morceau. Alors, effectivement, j'espère que vous avez une explication. On me dit, il y a des gens très proches de vous qui étaient là, dans votre vie, très très proches, à la naissance de votre fils, et certains l'ont appris que 3 ans après sa naissance. Oui, c'est vrai ? C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Ben, je sais pas. D'abord, ça a commencé par une volonté. Et c'est devenu un jeu. J'avais beaucoup de journalistes qui tournaient autour de moi. Ouais. Donc je voulais pas que ça se sache pour pouvoir profiter tranquille des 6 premiers mois, en tout cas. D'accord. Et puis ça devenait un jeu. Après, on a caché à Yves Gilbert, à Lise Donard. Ils m'ont beaucoup voulu, d'ailleurs. Et un jour, on est arrivé avec, effectivement, le bébé dans la panière. Enfin, le bébé qui était grand, quoi. Donc on voit, effectivement, vous avez présenté au public à l'époque, c'était la une de VSD. C'est la première fois, oui. Votre fils, Frédéric, il avait 2 ans. Est-ce que votre fils a su que vous l'avez... Que vous l'aviez caché pendant si longtemps ? Plus tard, oui, je lui ai dit, on lui a raconté que c'était une bonne blague aussi en même Quelle temps. Quelle était sa réaction ? Ça peut être traumatisant quand même. Il aurait pu penser que vous aviez honte de lui. Non, au contraire. Au contraire, maintenant qu'il connaît bien le métier, ouais. Il comprend bien que c'est mieux de cacher les enfants. Au public ? Oui. Mais pas à ses amis ? Ses amis, on n'a pas... Vous savez, dès que vous dites quelque chose à quelqu'un, vous n'êtes pas sûr que ça ne sera pas répété. Hein. Ouais. Frédéric, on applaudit très fort. Ça va? Asseyez-vous là. Il a changé, là. Ah, il a changé, on l'a vu sur la photo. Il a changé. Quelle relation aujourd'hui avec votre père, que le public adore? Ça se passe pas mal, hein. Parce que j'ai entendu dire que vous lui demandiez toujours son avis. Sur beaucoup de choses, de plus en plus, oui. On est très, très, très proche depuis qu'il a atteint l'âge de raison, c'est-à-dire depuis qu'il a 15 ans, quoi, à peu près. Et parce que moi, les enfants petits, je sais pas quoi faire, je suis maladroit, je sais pas trop. Lui, je pense que ça sera un père formidable, même pour les enfants petits. Ouais. Moi, je suis pas très, 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 très fort là-dessus. Non, et Frédéric a de la mémoire, lui. Ouais, on s'est. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est bizarre, personne ne veut raconter des. Ça fait bizarre, ce que mais c'est stressant comme émission. Hein. Mais ils ont les mêmes défauts. C'est bien le fils de son père. On raconte des trucs là derrière sans arrêt. On me dit que vous avez les mêmes défauts. Ah, oh, on n'est pas pareil. Non, pas sur tous les plans. Non, on n'est pas pareil. Non. Lui, il n'est pas menteur. Vous confirmez ? Oui. C'est vrai. Bon, en tout cas, il a bien balancé là-haut. Hein. Ils ont bien balancé là-haut. Il s'est éclaté. Vous êtes éclaté là-haut ? Ouais, c'était très sympathique.
Et moi, je veux bon, voir bah si... écoutez, j'ai passé très bonne émission. C'est pas terminé, restez là. Ah, asseyez-vous là, asseyez-vous là. Venez avec moi. Venez avec moi. Alors, vous devez deviner qui est dans la bulle à travers les questions qui ont été posées. Parce que nous, on a appris plein de choses grâce à eux ce soir. Bon, ben, moi, j'ai mon idée par rapport à certaines questions qui ont été posées. J'imagine qu'à Marcel Amont. Alors, évidemment, je pense qu'il y a mes deux compositeurs qui ont quand même fait les chansons de ma vie, c'est-à-dire Yves Gilbert et Alice Donna. D'accord. Yves Gilbert et Alice Donna, est-ce qu'ils sont là ce soir, mesdames, messieurs? Ils se lèvent. On les applaudit. Il reste une personne que vous n'avez pas devinée. Est-ce que vous voyez qui est là, qui vous connaît bien dans votre quotidien? Moi, je pense qu'il y a, sur une question en particulier, parce que je pense que c'est lui, c'est Éric Jumel. Non? Allez, elle est jeune, jolie. Donc c'est pas Alice. Oh les salauds. Quelqu'un que vous avez torturé sur votre disque? Que j'ai torturé. Ah, Marie. Marie est là, mesdames, messieurs, applaudissements. Mes complices, nous rejoignent. Marie Christophe. On les applaudit, venez nous rejoindre. On les applaudit très fort. On applaudit Alice Donna, Marcel Amont. Ça, je savais. Installez-vous. Je me doutais. Lui aussi, je me doutais. Ah oui. On va mettre Marie là. D'accord. C'est sa place. À côté de son fiancé. Je veux pas d'histoire. À côté de son fiancé. Allez-y, installez-vous. Donc, vous aviez peur en début d'émission. Oui. Comment ça s'est passé? Ouais, non, plutôt bien, oui. Ça me rappelle certaines émissions qui se faisaient en direct à une époque, qui renouent à une grande tradition de la grande télévision qu'on aimait faire. Et d'ailleurs, il y a eu un petit moment, un petit sketch où j'ai eu très peur, parce que quand même, improviser avec les femmes, c'était pas simple. Et finalement, c'était de la bonne télé. T'en es drôlement bien tiré, hein. Je veux dire, c'est aussi, formidable. Hein. Bon, en tout cas, on a vécu votre parcours avec vous, avec des gens qui ont partagé des moments de votre vie très forts. Et c'est vrai qu'il l'a dit là-haut, que votre accident, par exemple, il l'a vécu, c'est un des moments les plus forts de son existence à lui. De mon existence, parce que c'était terrible et en même temps riche d'espoir, puisqu'on se dit voilà, quand tu penses qu'il y a des gens qui font c'est ils suppriment une vie. Ça lui a donné une force de caractère incroyable, je pense. Que, je ne sais pas si c'est ça ou s'il l'avait avant, la force de caractère, parce qu'on a, ça, cas, on a ça dans après. Le sang aussi. Bon, en tout mais cas, quand il veut un truc, il y va, il programme la sortie de chanson tout de suite. Et ça, c'est agaçant. Vous êtes entre vous? Oui. Vous allez vous retrouver, hein, Serge. Vous allez vous retrouver, ne vous inquiétez pas. Oui, comment demain? Ne vous inquiétez pas. Ça va, vous? Bon, je voudrais vraiment remercier. On est bien, c'est sympa. Je voudrais vraiment remercier Alice Donna qui est en train de bouder. Et fin mars, dans quelques mois, il y a un livre qui va sortir aux éditions Anne Carrière, Enfin Seule. Enfin Seule, c'est une fiction, un roman. C'est un roman des ménagères de plus de 50 ans. Ça va être un roman pour la ménagère de plus de 50 ans, celle qu'on ne sonde plus. Et les gens qui l'ont lu m'ont dit que c'était très bien écrit. Au mois de mars, on verra. Très drôle. Je rappelle que vous pouvez voir Marcel Amont sur scène en vrai dans la tournée des Idoles, H tendre et Tête de bois. Oui, on voit l'affiche. 80 ans l'année prochaine, moi dans H tendre, ça me fait rigoler. Voilà Marcel Amont en tout cas, que vous pouvez voir en DVD également et dans ce spectacle un peu partout en France. Voilà, et puis Serge Lama, vous l'avez compris, sera sur scène en vrai en décembre 2009 au Palais des Congrès, qu'il connaît bien. Il y a des dates, là, parce que 3 jours, c'est ridicule. Oui, c'est ça, il faut plusieurs mois. Surtout qu'il n'en fait que 2. Voilà. Ah bah oui, encore plus. Le 16 et le 17 décembre 2009. Et puis ce très très bel album qui est salué par la critique, par ceux qui découvrent Serge Lama, ceux qui l'aiment depuis longtemps, L'âge d'horizon, avec 16 nouvelles chansons. Ça fait 7 ans qu'on attendait ça. Voilà, Serge Lama avec nous. Merci. C'est vrai qu'on découvre, en fait. Je voudrais dire au public que désormais, on va se retrouver en seconde partie de soirée. On ira encore plus au fond des choses. Donc, panique dans l'oreillette, c'est plus à 19h le samedi, c'est en seconde partie de soirée. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire. C'est ce que j'aime. Merci à mes amis qui sont venus. Quand les artistes merci au public racontent leur parcours. Et je finis cette émission.